Bonsoir, bien sûr, pour ce quatrième live sur le même putain de niveau et le même putain de boss. La réalisation ne m'a frappé qu'aujourd'hui que potentiellement les boss des mondes suivants seront pires que ça. Youpi. Peut-être qu'ils le seront pas. Peut-être qu'ils le seront pas. Mais... oh là là, le poulpe. Le putain de poulpe. On rappelle, le poulpe, on a fini la première VOD, la première stream de découverte sur le poulpe en disant « Ouais, c'est galère, bon, c'est pas grave, on fera ça une autre fois. » Entre-temps, deux lives supplémentaires. Un qui sera sur la chaîne, qui est peut-être déjà sur la chaîne d'ailleurs, et un qui le sera clairement pas, où c'est vraiment genre une heure de déchéance, où on pense que, et en fait non. Et bah peut-être qu'on est parti ce soir pour une heure de déchéance supplémentaire. On va accélérer ce timer, attendez voir. Ah. Peut-être sommes-nous partis pour une heure de déchéance supplémentaire sur Toyshire. Il est bien comme jeu, en vrai. Il est vachement bien foutu et tout. Et c'est d'autant plus rageant qu'il est bien foutu. Et qu'on n'arrive pas à voir la suite. Tout ça parce que j'ai dit, on rappelle, je le ferai en mode difficile alors que j'ai jamais joué avant. Parce que c'est la chose à faire quand on ne connaît pas les mécaniques d'un jeu. Démarrer en hard mode. Parce qu'on a apparemment des choses à prouver. Allez savoir. Alors bon, on va se mettre le chat. Sait-on jamais que quelqu'un vienne pour assister à cette... on peut dire défaite, hein. On n'y est pas encore, mais vous savez très bien que ça va sûrement finir en défaite. On peut dire qu'avec un peu de chance, on va apprendre de cette défaite. Et puis avec un peu de chance, absolument pas. Donc, on a nos plays de early game. Et on sait aussi que pour le late game, il faudrait que ces quatre trucs-là là, soient offensifs. Genre méchamment offensifs. Mais, on va aussi avoir besoin de trucs à l'arrière pour choper les leaks. Et on va aussi avoir besoin d'anti-air à l'avant. Pour choper les machins qui volent. On rappelle, on le met en accéléré parce que pour la découverte du niveau la première fois, je le mets en vitesse normale. Mais quand on doit refaire le niveau parce que c'est la défaite plusieurs fois consécutive, c'est bon. Content first peut-être, mais il y a aussi santé mentale. Et santé mentale, c'est pas mal. Donc, on rappelle, il va falloir que je mette un entier ici. Idéalement, j'aimerais bien les mettre là, en fait. Mais, quoique ça peut s'essayer. Le truc, c'est que je sais pas si je les mets là. Tu sais quoi, on verra bien. Si je les mets là, à quel point est-ce que ça sera assez efficace pour choper tous les ennemis ou pas. Parce que si je fais ça, ça veut dire que je peux poser des mortiers en haut. Comme ça, quand arriveront peut-être les tentatives de boss, il pourra se faire abîmer sur la première partie du level. Ce qui pour l'instant n'était pas trop le cas parce qu'on avait un entier là. Mais bon, cet emplacement ne me plaît pas du tout non plus. Hein. Ah bah d'autant plus si... d'autant plus si tu te fous de ma gueule. C'est donc pas une bonne idée. Chier. Au moins on le sait, on le sait. On découvre quelles sont les bonnes et les mauvaises idées. Voilà. Voilà. C'est très bien. C'est très bien. Canon. 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 Et re-canon. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui streamait dessus, sur le jeu là. Avec 4 viewers. Hein. Mais qu'il y avait quand même une autre personne qui streamait dessus. Donc je suis pas complètement tout seul, en tout cas pas ce soir. Je sais pas ce que fait cette personne dessus. Si c'est du mode histoire ou s'il y a le truc de créateur de niveau, etc. J'ai vraiment, j'en reparlais la fois d'avant encore, mais
J'ai vraiment envie d'aller sur le créateur de niveau, mais je peux pas. Oh non, ça va leak ça. Non, c'est bon. Mais je peux pas parce que le créateur de niveau va me spoiler des ennemis et des mécaniques et des blocs et j'ai pas envie de ça. J'ai envie d'aller dans le créateur de niveau, mais qu'une fois que j'aurai fini le scénar, le mode histoire. D'autant plus que ça débloque des trucs, j'imagine. Donc, entière, il faut qu'il soit ici. C'est comme ça. Et donc, lui peut aller à côté. Là, j'ai pas envie de me spoiler des trucs là. Et ça m'emmerde parce que, question de principe, j'ai dit hard mode. J'ai pas envie de switch en easy. Enfin, en easy, en normal. Juste parce que j'arrive pas à faire le difficile. Et en même temps, c'est la seule et unique raison intelligente de switcher en plus simple. Mais non. Il persiste. Et continue live après live à ne pas réussir. Écoute, hein. Qu'est-ce qui mourra en premier? Tu vois, le boss de fin ou ma force mentale de continuer ce run. Je vais mettre... Il faut que j'en mette un là. Parce qu'on sait qu'au niveau 7, on aura la grosse vague en bas là qui peut tout raser. Et je vais mettre un autre canon ici. Pour qu'il y ait un gros truc de dégâts par là. Enfin, gros. Et encore, non, il faudrait qu'il y ait un mortier là aussi. Mais on sait à quoi ça ressemble après quand il y a les mortiers là. C'est la merde. Enfin, c'est la merde. C'est pas la merde. Ok. C'est pas que c'est la merde, mais c'est qu'après le boss est trop près. Et du coup, eux ne tirent pas sur le boss. Et en même temps, ils ont une très grande portée. Ça peut être pratique aussi, putain. Ça y est, on est déjà en train de douter alors que le run n'a pas encore commencé. C'est la vague 4 qui arrive, on se souvient de la vague 4 qui est gratuite. On va tenter de faire un mix en mettant un canon là en plus. Voilà. Et c'est important qu'on les ait tous, qu'on les occupe tous, je veux dire, les spots. Parce qu'on ne peut pas construire entre la fin du niveau 7 et le combat de boss. Donc s'il y a des endroits qui sont vides, bah ils sont vides perdus pour toujours quoi. Ça fait beaucoup perdu pour toujours, mais... On a compris. Ok, les dauphins se font choper, ça c'est ok. Ouais, la vague 4, c'est la vague du gratuit. On le sait, voilà. Tiens, clairement, ce genre de situation qui est très très con, parce que le truc n'est pas amélioré, donc il n'explose pas sur une zone assez grande. C'était quoi ce bruit? Ah, je dois être à la limite. Ah, y a un truc genre codé un peu mal. On s'en fout, bref. Il va falloir que je les améliore. Il va aussi falloir que j'améliore lui, surtout niveau 5. Ça m'évite d'avoir en construire un deuxième. Et donc ça me sauve une place. Ça, upgrader une fois, si je me souviens bien. Pour que les AOE puissent toucher mieux les dauphins. Ouais. Et les petits canards aussi, mais c'est surtout les dauphins. Ils sont trop près, ils sont dans cette zone là et du coup ça touche pas. Il faudrait... Ouais, avant il faudra commencer à stacker les soldats pour le boss. Mais... On verra quand on y sera. Surtout pour le boss, il faudra que j'hésite pas à claquer mes ressources sur des soldats. Surtout pour la partie 1 là. Pour que les soldats les occupent. Occupent les tentacules. C'était la 5, donc ça c'est la 6 qui arrive. Ouais, on n'a rien à construire en plus. Il n'y a pas besoin de construire en plus. Ça, c'est niveau 2. C'est pour ça que ça touche beaucoup de singes. Ça, t'as en haut. En bas aussi. Re en haut. En fait, on commence à force à connaître les patterns. Parce que bah, tous ces niveaux-là, on les a passés plusieurs fois déjà. Même un certain nombre de plusieurs fois. Normalement, lui, il suffit parce qu'il lance plus de missiles qu'avant. Focus la bonne cible, je t'en supplie. Vague 7.
Vac 7, il va falloir que j'up ici pour que ça puisse gérer la merde qui va se passer en bas. Mais surtout, il faudrait que je puisse up ces deux là pour qu'ils puissent commencer à avoir une certaine efficacité dès le début du combat de boss. Enfin non, ils pourront pas le toucher dès le début parce qu'ils seront trop loin du boss de toute manière pour pouvoir le toucher dès le début. Mais qu'ils puissent le toucher le plus rapidement possible. Quand on se souvient, les deux premiers requins c'est Osef, par contre c'est les trois suivants qui sont pénibles. Ok, stun, c'est bien stun, encore, continue de stun, très bien. C'est bon, ça passe. Là les deux poussins ils peuvent passer, c'est pas grave. Bon, on a peut-être perdu un peu de thunes mais c'est ok. Ok, fin du set. Pourquoi pas fin du set? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le poussin est coincé dans la tente. Je crois que c'est parce que le poussin est coincé dans la tente. Ouais. Ça l'a déjà fait une fois. Et j'en avais bien profité pour faire des soldats. C'était, ça part dans une fois où y a pas la VOD. Parce que du coup... c'est vexant. Donc ça, on vend très vite. Ça, lui il tire en haut, donc on va améliorer lui en premier. Il faut 14. Et ça serait cool que les machins passent à portée. Bon, ils sont pas à portée avant l'attaque sur l'unité, mais c'est pas grave. Parce que pendant l'attaque, il me semble qu'ils avancent pas. 13, 14, vite. Non, ici, parce qu'il a changé de cible, celui-là. Merde. Ok, les soldats. Même si c'est pas beaucoup par pas beaucoup, il me semble que pendant qu'ils font leur animation... Oh putain, c'est raté déjà, je pense. Celui-là est fini. Je crois pas que celui-là pourra toucher la tête. Il pourra la toucher, non. Toi, on te vend aucun remords. Et on va up ici là. Toi, t'attaques déjà plus. On va up ici là. Soldat. Je vous avais placé à un endroit spécifique. Qui était volontaire. Donc, c'est compliqué d'y rester, je vous en prie. Boss fait des... Tain, lui, il est stuck depuis le début. Tire, tire plus, tire, tire plus vite, tire, fais quelque chose. Ah, oh, ça passera pas, hein. Sur quoi non, ça passera pas. C'est lui qui fait des gros dégâts, je vais pouvoir le vendre pour 18. Bientôt il pourra plus tirer. En tant qu'il peut tirer, c'est bénef. Il faut que je mette des tanks devant lui là pour qu'ils absorbent les coups de tête. Plus lui, hein. Ça va passer, ça va passer, ça va passer. Oh, ça va passer. Je t'en supplie, ça va passer.
Oh, ça va passer. Oh, le first try. C'est honteux que ça m'a mis autant de temps et que ça tombe là sur un first try gratuit comme ça. Non, c'est pas fini? Si, c'est bon, ça passe, c'est bon, y'a plus rien là. Y'a plus de PV. Oh putain. Tout ça pour que ce soit plié en même pas 20 minutes de stream. Premier essai. Oh bordel de merde. Ok, bon ben, nouveau titre. On est maintenant dans la cuisine, on a même pas le temps de célébrer. Oh putain. Oh mon dieu. Il aura suffi de faire un truc que j'aime pas faire, qui est spam des unités. La cuisine. Oh, on va poser des tourelles dans du pain. Ah, mais je suis au bout de ma vie. Mes soldats passeront par ces trous. Ou passeront pas ces trous. Il a dit, j'ai pas fait gaffe. Merde. Hélicoptère. Médecin et hélicoptère. Bon, bah, du coup, le plongeur ne me servira à rien dans cet environnement-là. Donc, on va y mettre à la place un hélicoptère. Ah, général. Tant pour avoir un général. Oh, les tours ont des compétences. Ok, attends, déjà. Ok, nouvelle tour. Tourelle minigun. Fait pleuvoir des balles sur les unités au sol uniquement. Rapide, rapide. Ouais, bon, c'est un minigun, quoi. Ça augmente un peu la portée. Elle coûte cher, j'imagine. Ennemi, est-ce qu'il y a des machins qui volent? Premier homme, enchanté. Cracheur dinosaure qui crache sur les soldats. Personne ne vole. Donc, toi, tu dégages et tu me mets celui-là que je connais pas à la place. Oh là là! Tout ça pour que ça se fasse en une seule fois. Compétence. Bon, pour l'instant, j'en ai qu'une seule apparemment. Ok, qu'est-ce que c'est? Kevin utilise son petit marteau pour écraser les ennemis. Il gagne la compétence 15 secondes toutes les 240 sur toutes les unités. J'imagine allié ou ennemi, ça je ne sais pas. Ok. Oh là là. Oh là là, Kevin. Ok. Très bien. Alors, nouvelle tour, nouvelle unité. Hélicoptère, ils sont coincés dans une pastèque, bien sûr. Ok, ils peuvent passer par ces trucs-là, ça c'est Osef. Bon, la logique veut donc dire que... On fout un... Oh, bonne portée en plus. Damn, nice portée. On va voir à quel point c'est... Tu sais quoi? À quel point c'est efficace. Si je dis genre non, mais je veux que ça... Parce qu'en fait, ouais, c'est ça, le passer au niveau 2, il est pas énorme. Mais j'ai l'impression que passer au niveau 3, c'est déjà beaucoup, beaucoup plus fou. Ah, par contre, il faut quand même le temps de charger entre chaque... Oh, il passe par en dessous. Oh. Ok, j'aime pas cette tour, mais j'imagine qu'elle est bien si t'as un boss. Et passe par en dessous. Oh, par contre, ouais, en fait, il faut que... C'est pour ça qu'il a une longue portée. Ok, c'est pas bien. C'est parce qu'il faut le temps qu'il charge, qu'il fasse bien bien tourner les canons, là. Je l'aime pas, mais je la garde parce que potentiellement... Ok, ça veut dire que... On va pas pousser pour les buter ici, là, parce qu'ils vont passer en dessous. Et là, eux vont passer en dessous, ici. C'est-à-dire que le jeu veut... Que je fasse une sorte de... Une sorte de toit ici. Et là. Et ici, non. Ici, il y aura un minigun où il y aura un mortier. On peut mettre un canon ici, un canon à la fin pour choper les machins. En fait, je sais pas à quelle vitesse ils vont. Il y a écrit normal, mais j'ai pas fait gaffe par rapport au mortier. Juste, montre-moi, est-ce que le mortier peut... Ah oui, non, ils sont lents, les mortiers vont pouvoir les choper easy. Ah, oh, et leur faire des bons dégâts. Ok. Ouais, clairement, le railgun, là, il faut, genre, une cible unique sur laquelle il aura le temps de s'acharner. Ok, je peux buter les trucs qui sont cachés sous, mais il faut qu'ils se prennent un AOE.
Ok. Oh là là, on l'a passé du premier coup. Avec toute cette galère qu'on a eue les autres fois. J'en veux au moins des fois d'avant. Attends, on n'a pas regardé le décor. Alors, on a un petit jardin avec un vélo dedans. Très bien, petit coussin sympa. Ça bouge dans la casserole? On dirait qu'il y a un truc qui est en train de cuire, non? Non. Est-ce qu'on peut toucher au four? Non. Des fruits dans le panier non plus. Ils sont placés à des endroits un peu stratégiques, ces objets. D'accord. Attends. Construction de. Non, construction de rien, en fait. Quoique non, ils ont l'air plus rapides, les autres là. Et donc, s'ils sont rapides, j'imagine qu'ils vont pas passer par en dessous, ceux-là. Donc, je vais mettre ça comme ça. Lent, mais ils avaient l'air plus rapides. Mais ils attaquent, ils font mal. Mais c'est pas grave pour notre situation là. Ok, on a du fruit. On a des sweet cereals. Petit toaster derrière là. Est-ce que c'est. Ah ouais, vous voyez pas derrière. Là-haut, là à droite. Je sais pas si c'est une cafetière ou un thermos de café. Ouais, c'est ça. Parce qu'une fois qu'il chope un truc qui tank, il le lâche pas tant qu'il peut encore le viser. Donc, ok. Je comprends l'intérêt de cet objet. Ok. C'est pas une catégorie de tour qui. Ah si, ils peuvent quand même passer en dessous. Ah. C'est rigolo. Mais quand même. Et donc ça, je verrai sur les dernières vagues. Mais j'imagine que ça va me demander de cibler une zone. Ah non, quoi? Eux, ils passent sous les deux trucs. Oh mais quelle bande de chiens. Quelle bande de dino-chiens. C'est très rapide. Est-ce que ça, c'est genre. Bon, il coûte super cher, mais est-ce que du coup c'est les petits frères du Railgun en fait? Peut-être, je ne sais pas. Ah, ils peuvent aussi se mettre en dessous, mais s'ils se mettent en dessous, est-ce qu'ils se font percuter par les ennemis qui sont en dessous? Mais attends, mais comment l'hélicoptère il se met en dessous? C'est un hélico. Non, c'est bien ça, il se met pas en dessous. Oh mais quel psychopathe cet enfant. Quel malade mental ce Kevin. Ok. Et est-ce que du coup, quand les autres vont être en dessous, je peux les toucher avec ça ou pas? Je pense pas, hein. Ouais non, ils deviennent intouchables quand ils sont en dessous. Oh. Ouais, disons qu'on fait quand même assez mal avec le reste. À un point où tu dis que ça, c'est peut-être pas nécessaire. Ils ont quoi ceux-là? Très rapide. Ils crachent sur les soldats à distance. Est-ce qu'on peut voir la portée de crachat? Non. Oh, très rapide, c'est ok. Ok, aisé pésé. Ok, donc lui, s'il fallait l'upgrade, c'est il faut pouvoir l'upgrade à fond. La portée des dégâts augmente. En fait, non, les dégâts augmentent pas, il n'y a que la portée qui augmente. Il faudrait vraiment le payer deux fois, donc c'est genre 10 plus 12 ou plus 13, je sais pas, je me souviens plus. Et donc ça coûte cher. Non mais en vrai il a un problème le gamin. Premier homme crasher, triceratops, ouais 4 crashers, voilà. Les vagues sont à peu près toutes les mêmes. Hein. Donc on va up ça. Non c'est. Oh là là, putain pardon, je suis encore sur ce. Sur poulpe à la con là. J'en reviens pas que ça m'ait pris autant de temps. Pour un truc que j'ai fait là sur le premier run en mode attends 2 secondes on teste un truc. Et non pas, bon, techniquement c'est le deuxième parce que le premier je l'ai cancel après le premier niveau parce qu'on n'avait pas bien construit.
Mais finalement, il aura suffi que d'un seul run. Je suis content, et en même temps, il y a une espèce de frustration. Pourquoi tu n'attaques pas? Ils sont à ta portée, pourquoi tu ne les attaques pas? Ouais, on les aura parce que ça fait quand même vachement mal. Lui, il a pas servi à grand chose. Vu qu'on a l'hélico. On va essayer de le faire reculer pour pas qu'il se fasse choper par les. Par les crasheurs. Ok, à distance, une distance qui est honnête quand même. Hein. Putain, j'en reviens pas de ce boss là. Oh là là. Qui m'a fait tellement de mal pour rien. Ouais, en fait, ça va être du niveau vraiment genre formalité. On va upgrade. Et spammer sans trop réfléchir, je pense pas qu'on ait franchement besoin. One shot. Ouais, one shot. Ça one shot tout en fait. Ouais, presque. Et eux, ils coûtent 9. Bon, ils volent, mais ils coûtent 9, c'est quand même beaucoup. Bon, on s'en fout en fait que t'as faim. T'as le gamin quoi. C'est bon, c'était la rentrée il y a 2 jours, il se sent plus. Maman, j'ai faim, fais-moi à manger quoi. Et ça, il y en a partout de la bouffe. Mais il y a quand même les petits campements avec les détails de campements de soldats derrière, là c'est mignon. Ok, j'ai compris pourquoi il tirait pas. En fait, il voulait tirer sur le premier, mais le premier est passé en dessous, du coup ça a reset son temps de recharge. Et donc il a visé le deuxième, mais le deuxième était en train de passer en dessous. Et genre ça a fait une boucle infernale. Ah, je suis la blasance. Pardon, hein. Ouais, même chose avec un peu plus d'ennemis. On va faire un deuxième chapa. Je pense pas qu'il y ait franchement besoin d'upgrade les tours. Celle-ci elle existe, mais elle pourrait être vendue là maintenant tout de suite. Ça serait la même chose, je pense. J'ai quand même. Tu sais quoi? Histoire de gagner du temps, je vais la vendre. Prendre un soldat normal. Et voir si eux ils passent dessous. Et s'ils passent dessous, genre ici, est-ce que ça fait embrouille? Ok, ils passent dessous. Ils sont un peu ralentis. Mais s'ils passent en dessous pendant qu'il y a des ennemis qui sont capables d'attaquer, est-ce qu'ils les bloquent les ennemis? Ou est-ce que ça fait vraiment genre non, on se regarde chacun les yeux dans les yeux, mais personne n'attaque qui que ce soit? Ok. Mets-toi là. Est-ce qu'il y a baston là? Non. Il peut se faire un peu pousser, mais il n'y a pas baston. Donc j'imagine que. Par exemple, si je le mets en dessous, ça genre ça le cache des raptors qui sont doués d'attaque. Ça va bien voir, on va leur mettre dessous et puis on va faire des tests. Est-ce que finalement on n'est pas là pour ça? Non, on n'est pas là pour ça. Oh là là. Désolé, l'autre level là m'a. Il m'a buté, il m'a tué, il m'a assommé, il m'a fini. Il m'a recommencé après. Oh merde! Il a cassé un helicopter. Il veut viser sur celui-là. Il peut plus. Donc il perd du temps, ouais. C'est aussi pour ça qu'il met tant de temps à les attaquer quand ils sortent de la cachette. T'as si le dernier level, genre le dernier monde, c'est vraiment un mélange de tout. Ils peuvent passer en dessous, il y a de l'eau, le décor qui change et whatever shenanigans qu'il y aura sur les autres niveaux bien sûr.
Ça risque d'être un peu le bordel. On n'en fait pas plus de tours, hein. C'est très bien comme ça. On va up les autres. Il vole, mais je peux quand même pas le mettre par-dessus des tours. Ça aurait été confortable. Genre là, tu vois. Mais non. Putain, je suis... Exact, Kevin, je suis soufflant. Ouais. Je peux le mettre là, parce qu'il n'est pas dessous, il peut continuer à tirer lui. Donc autant profiter des dégâts. Je veux dire, même quand il y aura les crashers là, c'est pour l'instant c'est ok. C'est vrai ça? Les jouets. Pourquoi vous juste vous partiriez pas de la maison en fait? Ça, faut s'émanciper un peu. Les derniers levels, on tente. Clique sur la cible pour la frapper avec le marteau. On a 15 secondes. On a de l'AOE. C'est pas un one shot 46. T'as s'imagine, il y a un combat de boss. Oh, évidemment, ça c'était un. Ah non, c'est parce que j'ai écrasé mes propres soldats. Merde, je crois que c'était parce que j'ai écrasé un ennemi qui était dessous. J'ai dire, imagine, genre, il y a un combat de boss où si tu utilises le marteau pendant le combat de boss, genre, il chope le marteau en l'air. Il te le remet à la gueule, du genre, bah non, Kevin. C'est moi le boss ici maintenant. Si ça se passe, je crois que je me chie dessus. De manière métaphorique, bien sûr. Quoique. Pour le contenu. Pour les vues. Oh. Ouais, bon, ils sont juste lents. Mais, niveau 1 sur 3 de ce monde-là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté. Ouais. Rigolo mais un peu longue et la mécanique. Mais en même temps on est encore en normal, on n'est pas en accéléré. Ah bah tout merde, c'est pas grave, même s'ils leak, ils me feraient perdre une vie chacun. On est sûr qu'il n'y a pas de leak. Certes. On pourrait la mettre dans ce toaster par exemple. Non. Ne joue pas avec la nourriture. Apparemment, Kevin a également décidé d'utiliser de la nourriture provenant de la cuisine pour créer un terrain de jeu. Si ça passe, ça fait, j'ai bien raison. Super. Non, mais elle a qu'à se fâcher. Oh là, domaine de la maman. Oh là là. Oh, buttermilk sugar cookies. S'il y a écrit que dans la recette, la mère, elle y balance les médocs, ça me fume. Ah, elle m'a dit que les gamins qui mangent beaucoup de carottes peuvent voir dans le noir. J'espère que je ne vais pas me transformer en lapin. Si tu veux. Ennemis. Est-ce qu'il y a des ennemis volants? Sûrement. Oh mon dieu. Une catapulte avec une cuillère qui lance du sucre. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tête de marteau. Un marteau sur tête pour blesser vos soldats. 360 PV, c'est plus que ça ou pas? C'est deux fois plus que ça et plus encore. Ptérodynamite peut exploser lorsqu'il s'écrase au sol. Ah mais ils sont violents sur la théorie ceux-là là. Ok. Donc, tour. On en a toujours que 3, ouais. Le minigun, il va en avoir besoin sûrement pour les boss. Je pense que je peux virer le canon. Et mettre le lance-roquette à la place. Compétence toujours pas, il n'y a que le marteau. C'est ça. Il y a quoi là dans ce cas? Un truc un peu sympa. Bon, yo-yo, Rubik's Cube, il y a Fidget Spinner. On sait donc pas quel âge a cet enfant. Parce qu'il possède à la fois des dés et un robot. Un yo-yo en bois. Mais un spinner. Journal intime. Il écrit quoi en bas?
Attends. Print. On se souvient, hein. Il y a des trucs cachés un peu partout. On veut les voir. Où se trouve mon photofiltre? Alors. On l'avait partagé, non? Photofiltre, il est là. Ok. Il y a quoi dessus? Il y a... EVL... ENI... EVLENIELES... Non, ça ne veut rien dire. IS... Bullying? Non. Attends. Je me casse la tête, mais je peux aussi faire juste en fait, genre. Je l'ai perdu. Je l'ai perdu, Franck. Pas dans le bon sens. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Y. Pourquoi ça en a changé la qualité? Fais chier. Clic. Cut. Supprimer. On met ça. On le 90 degrés. Ok. Il y a écrit. Rien du tout. Genre on est d'accord. Il y a écrit. Non, c'est un E qui est beaucoup trop grand en scan. Mais il y a écrit. Dégage. Il y a écrit. Où se trouve le stylo? Il y a écrit E V L E Ni E Z E et peut-être autre chose derrière. Ça là. Et alors, il y a qui écrit is B U L. On dirait qu'il y a écrit ça. Mais ça ne veut rien dire. Say. Voilà. Si vous savez ce que ça veut dire. On se le met dans un coin et on l'oublie pour l'instant. Mais ok, le marteau, bon d'accord. Les tours, c'est bon, soldats. Ben, on va dire que... Ils ont beaucoup de trucs qui attaquent. Qui attaquent à distance, tout ça. Donc je pense qu'en fait, l'hélico, il coûte cher aussi pour ce que c'est. Je pense que... Autant pas le remettre. Enfin genre, comment, non, pardon. Autant le laisser, mais j'en servirai peut-être pas. Je pense qu'en fait, le MVP, ça va être le snipe s'il faut des unités. Ah, il va se passer un truc là. On a la recette des cookies. On va la regarder, bien sûr. Quelle taille il fait? Il est sur un marchepied. Il est gigantesque, cet enfant. Couteau, pratique. Ok, bon. Est-ce qu'il y a des machins qui volent dès le départ? Premier transporteur, stérodynamite. Il y a déjà des machins qui volent dès le départ. Donc, lance-roquette. Et je sens que je vais regretter de ne pas avoir de trucs avec une portée plus faible. Peut-être pas encore, mais à un moment. Qu'est-ce qu'il va en faire de ça, là? Il va... Parce que il va genre le dérouler, ou le renrouler. Et ça va bloquer le chemin. Mignon. Le concombre, par contre, il est un peu cursed. Normalement, ils sont trop lents, et donc ça, c'est amplement suffisant et ok. Au pire, j'ai ça. C'est un peu dommage de le cliquer maintenant, mais... Alors, on a des buttermilk sugar cookies. Du sucre, de la cannelle, et du shortening, donc du gras. 325 Fahrenheit, 8-10 minutes, ok.
évidemment un random mot chelou qui est lisible. Oh merde, d'accord, ça agit comme chier. Et ben en fait, tu sais quoi? Tu reprends du service, machin. Pendant qu'on va reprendre des captures d'écran de la recette de cookies au sucre. Cacher le calque. Nouveau calque. Un précran. Ça ne marche plus. Super. Ah. Ça marche, mais ça merde. Super. Je mets là pour plus tard, pour pouvoir rejouer avec. Qui arrive? Triceratops, Pterodynamite x2, Crasher x4. Donc pour l'instant, tout ça, c'est encore OK. Même si, eux, pour les Crashers, vont être un petit peu limités. On va bien voir. En attendant. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il faut 2,5... Je sais pas quoi. Dans un bol, un quart de cup de sucre plus la cannelle. Ouais, crémer le sucre et le gras ensemble. Egg yolks. Eggs. Et je sais pas quoi, spoon. Dans le grist pan. Bon, ça c'est pas le gros mystère. Ça c'est vraiment juste une gentille recette. Ça aurait été rigolo que ça soit le nom du médoc. Alors, il est écrit à l'envers, mais non. Non, il est pas écrit à l'envers. Elle écrit en italique dans le même sens. Qu'est-ce que t'es parti faire loin, loin, toi? Il veut pas voler au-dessus des obstacles. Mais c'est normal, c'est un hélicoptère. Putain, fais chier. C'est bon, tu touches là, non? Bon, la recette est OK. Pas de nouvelle ennemie que des quantités. Pterodynamite x4, donc normalement c'est OK. Les hommes c'est OK. Tricera et Crasher. Vu que je n'ai pas la possibilité de. Alors autant que je. À quoi bon finir ces phrases? Ça sert à quoi finir des phrases? En vrai. Non mais en vrai. À rien. Je pensais que je pourrais interagir avec, ou tu vois, je sais pas pourquoi. Mais, ah. Le gamin, il s'invente des jeux à lui tout seul. Et dans les jeux qu'il s'invente, il se rend la vie plus difficile. Ah, le fait que le premier s'écrase avec son passif, ça fait que le deuxième prend les dégâts. Ça, c'est chouette. Genre, je vais inventer un jeu dans lequel je fais la guerre, mais on a qu'à dire que tous mes ennemis, ils auraient des avantages trop bien. Et techniquement, je les ai aussi, mais c'est pas pareil, ça compte pas. Ceci dit, sur la map de tout à l'heure, ça comptait quand même, parce que j'aurais pu les cacher sous la base, là. Pour ensuite... sous la serviette, pardon. Pour ensuite les faire aller vers la base ennemie. Ah, c'est lent, hein. Si tu veux, ça n'y fait rien, mais c'est chouette. Ok. Y a pas, si y a encore des ennemis qu'on n'a pas vu. Y a le méga dinosaure qui tank de la mort là. Voilà. Et donc c'est pour toi qu'on va faire un comme ça ici. Tête de marteau, je sais pas combien on aura. Un seul.
Ah, ça a l'air d'être du coup vraiment genre le tank, le bon gros tankasse. Mais quelle taille il fait, Kevin? Parce que, je veux dire, on avait des suspicions qu'il était jeune, parce que les jeux, parce que tout ça, parce que les dessins, parce que l'imagination. Ok, mais là, il est au-dessus, il est au plan de travail de la cuisine. Et le plan de travail, il lui arrive à la taille. Et en plus, quand il regarde droit devant lui, il voit le placard dans lequel sa mère elle range les assiettes. Cette plante n'est pas en forme. C'est quoi en fait? Il est très très grand, mais il est très très con. Il est très jeune et très grand. Il est un peu en retard. Ça, ouais, il me faut 10 d'abord pour pas grand chose. Le boss qui est là. Il a quand même le up. Alors qu'en vrai, il se prend tellement de dégâts de la part du reste des tours avant même qu'il arrive sur ça là. Ça a l'air d'être vraiment pas utile comme tour, hein. Sauf pour littéralement, genre le boss de fin du chapitre. Je pense. Je sais pas ce que c'est, mais. Un T-Rex, je sais pas, un gros dinosaure. Ouais, tellement que là ils envoient combien? Deux têtes de marteau, ouais, c'est. Et si je fais ça sur un tête de marteau, est-ce qu'il y a un achievement? Attends, je l'ai one shot le premier? Ok, on peut one shot si on vise bien. Ok, intéressant. 2,40, ça fait quoi? 24, ça fait 4 minutes. Bon, on l'aura pour la dernière vague. Je la fais en entier quand même, même si en vrai, elle aurait été cheesable de fou. Fait arriver genre 3 hélicos au bout là. Et donc, dégâts par terre, ça va péter le deuxième derrière. Ouais, donc tant qu'il fonctionne comme ça, il n'y a pas franchement besoin d'en faire plus. Des tourelles entières. Si elle one shot le premier volant et que ça bute le deuxième derrière, c'est. Putain, pardon, je suis encore vexé par cette histoire de poulpe là. C'est vraiment les fins de journée, hein. On sent que le gars, il est allé bosser et qu'après le taf, il a continué un bout de journée intéressante. Il y a les yeux qui piquent, il y a les cheveux qui sont ébouriffés. La catapulte, de toute manière, je ne me sers pas d'unité, elle a combien de PV? 230, donc elle en a moins que le gros dino marteau là. Hein? Into up. Ah, d'accord. Ouais, t'as l'air de t'en satisfaire, c'est pas dingue comme attitude que vous. Ah, va falloir que je fasse des unités pour choper les trucs qui volent. Snip. Ah, bah bien l'hélico, génial, super. Derrière la vitre. Mais rentre. Ça miaule, hein. Donc ça ouais, toujours niveau 2. Faudrait que je passe niveau 3. Bah, plus par principe qu'autre chose. Non, pas par principe. Parce qu'en vrai, il est encore plus rapide et surtout il fait 4 de dégâts à la place de 1. Cette upgrade elle a du sens par rapport à celle d'avant qui a d'en avoir pas du tout. Oh, c'est mignon en vrai.
je le dis, je crois qu'il n'y a pas un seul live qui s'est passé sans que je prononce ces mots-là, mais il a tellement de charme ce jeu. Tout est cute. Pas dans le sens, c'est pas littéralement cute quoi, mais premier round trésor de ouf si vous voulez. C'est-à-dire que c'est la vague gratuite, lente mais gratuite. Et arrête de miauler et fais le tour, rentre, fais quelque chose. Est-ce qu'il y aura pas un toast là? Y a rien qui vole en plus. Et je sais pas s'il y a dans la vague 8. Pardon. Alors du coup je n'y touche pas pour l'instant mais. Je pensais qu'il y aurait un tir en bas, j'ai rien dit. 13. Pour l'instant, on n'a pas encore été en présence d'un truc ici qui serait très boss. On n'a pas vu dans les décors, dans les écrans de chargement, un truc. Pas utile. Et 13. C'est quand même mieux quand ça fait des dégâts tout d'un coup. Hein. Ouais, tu les vois qui descendent des PV. Enfin, c'est. Quelqu'un un peu chiant dirait c'est le jour et la nuit. Et bah, du coup, c'est le jour et la nuit. T'as du coup. La victoire sur l'autre truc là, elle m'a en vrai, elle m'a tellement coupé l'élan, elle m'a tellement coupé l'herbe sous le pied là, comme disent encore d'autres personnes tout aussi jeunes que les précédentes, que je pense que je vais tenter le niveau 3 parce que j'ai l'impression que il y a 3 niveaux à chaque monde avec le boss au bout. Je vais le tenter une fois. Coco, tu sais quoi, je vais même pas le tenter une fois. Je m'arrête après celui-là et je le garde pour le prochain live. Comme ça, si jamais par hasard il y a des gens qui passent, là forcément c'est la rentrée scolaire, alors les gens qui étaient là, qui étaient un peu plus jeunes, tout d'un coup vont se faire un peu rares. Mais je le lançais à ce moment-là, histoire qu'il y ait peut-être des gens. Oh là là, putain, personne pour voir la victoire sur le poulpe alors qu'il y avait des gens sur. Je crois qu'on a galéré sur le boss là. Voilà, c'est juste ça, on voit tout en même temps. Bah écoute, hein, let's go. On a ça qui est prêt de toute manière. Vas-y, accélération là. Poltanniese. Pardon. J'ai pas fait gaffe à la compo des groupes ennemis. Et donc, à savoir combien est-ce que ça allait être un problème ou pas. Personne qui drop de l'or pour l'instant là, pas des étoiles. Vraiment personne. Très bien. Bon, apparemment c'est pas grave. Je sais qu'il y en a que 8 des étoiles qui vont dropper, mais quand même pour l'instant il n'y en a pas une seule. Elles sont. Qui c'est qui les porte? Bien évidemment, c'est la guerre. En fait, c'est les 8 derniers qui vont avoir les 8 étoiles, c'est pas possible. Une. Deux. Trois. Ouais, d'accord, elles sont toutes là, quoi. Et ben voilà. En vrai. Il a même pas touché les parties tranchantes, maman.
Oh là là, les mamans qui sont toujours là à faire la vaisselle. Enfin, voilà, l'odeur de la phrase. Le réfrigérateur. Oh. Spoiler, on va voir à quoi il ressemble. Ah, du coup, sur la porte du frigo, il y aura genre un dessin du boss, peut-être? Il y a le chat qui mange à côté, il y a des œufs. Non, c'est que des obstacles, les œufs. Il n'y aura pas un méchant dans le carton de lait. Ok, il est là, c'est chouette. Ok. Boîte d'œufs. Pas de truc obvious qui va me péter à la gueule. En tour, il y a écrit nouveau, mais c'est les mêmes que oui. Non, tour laser. Ah. Fait fondre les ennemis avec son laser. Donc j'imagine que c'est le même principe que l'autre. Que c'est genre mono cible. Putain, c'est rapide, elle est sur rapide aussi. Toute petite portée par contre. Donc genre là. Le jeu s'attend à ce qu'on en place une là. Hein. Ennemi. Oh, on peut prendre des tours en plus. 4 tours il y avait. Fourche d'abattage. Écartez vos troupes du chemin. Cette fourche est très tranchante. Ça se voit point d'interrogation. Ok. Il y a encore des machins qui volent. Donc il nous faut encore l'entière, je pense. Parce que je sais pas l'efficacité de ce truc-là pour l'instant. Mais on peut prendre 4 tours. On peut prendre 4 tours. Et donc nouveau soldat, c'est qui nouveau soldat? Ah non, c'est juste le médecin, j'avais pas encore cliqué dessus. Ça, on dirait un mec avec un bouclier anti-émeute. Et non, non, là, le contour, c'est le même pour tous, donc ça doit pas être pertinent. Et après, il y aura un général d'armée, putain. Donc non, je le fais pas maintenant. Je le ferai sur un autre live, sur un autre stream. Parce que c'est bon, putain, je voulais juste faire le poulpe, j'ai réussi tellement vite que du coup, je savais pas quoi faire après, tu sais. On tentera avec ça, même s'il n'y a pas dedans le canon qui est quand même le gros gros dégât. Mais en même temps, s'il y a le laser potentiellement 15, 20, 25. 25, ouais, bon. L'enlan normal, et là on est sur du rapide. Avec la même portée. Un chouï plus grand pour le laser. Écoute, je pense qu'on va couper là. On va couper là. Allez, à... pouf! Ouais, ça aurait été très rapide, mais c'est pas grave. Attends, la vitesse à laquelle on a passé le truc, c'est dingue, je n'en reviens pas. Je vais vite couper et rester sur une victoire, et pas m'acharner alors que je suis fatigué. C'est bon, c'est fait, on peut enfin découvrir le reste du jeu. Hallelujah. Trop bien. Je vous fais des bises, portez-vous bien.